Bon sang qui fait sombre. Regardez, mon mari le geek, il a installé un truc il y a un ou deux ans. Ok Google, allume lumière. Ouais. Et malheureusement, lampadaire bleu n'est pas disponible actuellement. Ah, vous venez de l'entendre? Quand je suis toute seule à la maison, que mon mari n'est pas là, et qu'il est genre minuit, et que je suis pas trop rassurée, et qu'elle me sort lampadaire bleu, gna 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 gna. Alors que je suis en train de monter les escaliers, ben, je peux vous dire que j'ai peur. L'octobre 3. Alors, résumé de ce qui s'est passé hier. J'ai récupéré mon ordinateur. Ils avaient dit que je le récupérais genre dans une semaine, voire deux semaines. Parce qu'il y avait tout à changer. On l'a amené dimanche. Et mon mari, qui s'y connaît un petit peu, leur a dit « Il y a juste un petit câble, je pense, à reconnecter. » Mon mari ne travaille pas. Enfin, ne répare pas d'ordinateur, donc on l'a un petit peu regardé de haut. Mais non, monsieur, maintenant on a changé, il y a toute la nappe. Donc la nappe, c'est tout le dessus. Toute la nappe a changé. Donc oui, heureusement, votre ordinateur est sous garantie. Sinon, ça coûterait genre 500 €. 500 € quand même. Et donc hier, on était quel jour? Mercredi. Notification comme quoi mon ordinateur était bien arrivé. Je vais le chercher. Et puis le monsieur regarde la note et il me dit bah, ça a été vite parce qu'il y avait juste un câble à changer. Voilà. Enfin, un câble à reconnecter. Voilà. Ensuite, on est allé chez ma soeur. Il y avait mes parents. Ma soeur a un petit chien, donc Vinny n'a pas arrêté d'embêter le chien toute la soirée. Mais vraiment, vraiment, je pense que elle va bien dormir aujourd'hui. Oui, c'est une chienne. Donc du coup, je vous laisse imaginer, il est en pleine adolescence. Voilà. Il l'a bien, bien enquiquiné. Je pensais vous filmer des petites parties de jeux entre chiens, toutes mignonnes. Et du coup, j'ai rien pu vous filmer parce que c'était pas vraiment mignon. Je l'ai enfermé plusieurs fois, je l'ai puni plusieurs fois dans les toilettes. Mais rien à faire, il était... Et donc, je pensais qu'il serait fatigué aujourd'hui, mais non, pas très... oui, et donc on a mangé une pizza et pour fêter mon anniversaire en retard, c'était le 19 septembre, j'ai mangé une tartelette au citron. Donc autant vous dire que ce matin je me suis dit tu déjeuneras plus tard, voire tu te feras un brunch. Donc il est midi, j'ai toujours pas de petit déjeuner, je vais tout faire en même temps. Oui, il est midi, parce que comme j'ai repris mon ancien ordinateur, j'ai dû tout refaire, ma présentation. Et puis, habituellement, je monte mon vlog hier. Enfin, habituellement, je monte mon vlog la veille. Et bien là, ben voilà, on est rentré vers 11h30, minuit. Non, je n'ai pas monté mon vlog. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps à monter un vlog. Enfin, surtout quand vous êtes psychorigide comme moi. Ça prend énormément de temps. Avant toute chose, merci énormément pour vos commentaires. Merci. Je vous embarque encore dans mes délires de vlogtober. Et apparemment, ça plaît à pas mal de personnes. Donc, j'étais contente. Merci. Merci beaucoup pour vos commentaires. Et donc, du coup, moi, j'ai regardé aucun vlogtober. Entre hier, on est rentré tard, et aujourd'hui, j'ai rien fait. Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, j'ai reçu... C'était emballé là-dedans.
J'ai commandé ça chez Amazon. Le descriptif sur Amazon était vraiment nul. Je voulais des câbles. Voilà. Voilà ce que c'est. Je voulais des câbles pour pouvoir bloquer mon Exploration Station de Stephen West. Voilà, Mimi va s'amuser avec le carton. Je voulais des câbles pour bloquer mon Exploration Station de Stephen West. Et donc j'avais vu que sur Knit Pro, j'avais vu que sur Amazon, ils faisaient les Knit Pro. Oh, la coupe, c'est de pire en pire. Oh, j'ai même pas mis de boucle d'oreille. Je mettrai ça tout à l'heure. Sauf que le descriptif était nul et je me retrouve avec 3 tonnes de câbles. Ah oui. Des petits et des grands. Mais j'ai rien compris sur le descriptif, donc au bout d'un moment, il a bien fallu que je fasse mon choix. Des petits et des grands. Normalement, il y a les épingles qui vont avec, non? Ne me dites pas qu'il faut acheter les épingles séparément. Ah non, elles seront là, mais elles sont bloquées. À mettre. Ah ben, il n'y a pas les épingles. C'est formidable. Vinny, laisse le carton. Voilà. Il va falloir que j'achète ça à part. Moi, je ferai avec mes épingles. C'est étonnant quand même. Non, c'est marqué qu'il y a 20 T-pins. Donc des épingles en forme de T. Qui sont coincés dans le tube. J'espère que la voisine travaille. Voilà. J'aimerais au moins rentrer les fils aujourd'hui, si j'ai pas le temps de le bloquer. Toujours les gabarits mes lapins d'hier, si vous avez suivi hier. Les faire sur la tablette et les scanner. Voilà. Alors, continue à ranger mon atelier, mais là, ras-le-bol. Hier soir, mon mari, il avait quelques coups de fil à passer avant qu'on s'en aille chercher mon ordi. Donc du coup, je me suis dit, bon, on va regarder ce qui me reste à ranger. Et vous savez, ça me fait penser à l'expression rhabiller Pierre, déshabiller Pierre pour rhabiller Paul, quoi. Je prends un truc, oh, j'ai pas envie de le ranger, donc je le pousse là. Mais 5 minutes plus tard, je n'ai pas envie de le ranger, donc je le repousse là. Donc ça n'avance pas. Donc, excusez-moi. J'ai appelé mon chien Destructor. Je voulais mettre à la poubelle cette tongue. Et puis il est tombé dessus. Alors je lui ai laissé. Voilà. C'est pas terrible. Je pense que je vais la mettre à la poubelle. Parce que je pense qu'il en avale la moitié. Voilà. Et là, il m'a piqué mes tippins. Oui, donc j'arrive à un moment dans mon atelier. J'en ai marre de ranger. Surtout que c'est Vlogtober, c'est la fête. Je vais pas à vous dire tous les jours, je suis en train de ranger. Non. C'est fini ce temps-là. On fait une pause rangement pendant Vlogtober. Donc je vais tout mettre dans un sac. Et je rangerai quand j'en aurai envie. J'ai fait ça l'autre jour pour ce coin-là. J'avais tout mis dans une boîte. J'avais tout mis dans une boîte et au fur et à mesure, j'ai rangé la boîte. Voilà. Bon, je vais me faire mon brunch. Je sais pas si c'est tout ce que je voulais faire de la journée. Non, si, j'ai...
Excusez-moi, vous avez dû avoir peur. Je veux à tout prix aujourd'hui castonner mon projet d'automne. Et je ferai ça en fin de journée. Devant quand Harry rencontre Sally. Donc à tout à l'heure, après mon brunch. Oui, je ne vous ai pas expliqué. Depuis quelques jours, j'ai des couches et des couches. Enfin là, ça va parce que j'ai marché avec le chien. Mais j'ai des couches de pull. Voilà. Excusez-moi. Nous, on est au chauffage au sol. Et vous voyez, il est 2h10. 14h10. Nous, on est au chauffage au sol. Et ils le mettent bien plus tard, habituellement, le chauffage au sol. Donc là... Et ils ne l'ont toujours pas mis, mais il fait froid dehors. J'ai connu des vlogtober où je pouvais vous parler dehors un petit peu. Où je faisais ma sieste, il me semble il y a 2 ans, je faisais ma sieste dehors. Et donc là, le chauffage au sol n'est toujours pas mis, donc le soir on se pèle, et le matin pareil quoi. J'avais pris ce gilet chez Zara. Vous me dire, ce sera un gilet doudou pour aller promener le chien. Ben, je le mets même la journée. oui, je vais vous montrer. Je ne vais pas sortir tout de suite parce que sinon le chien, il va être... Vini pour s'occuper un peu. Il a... Puis aussi pour le remercier quand on lui donne des friandises. Il a des jouets, mais je sais pas pour qui ils sont faits. Est-ce qu'ils sont faits pour les maîtres ou pour les chiens? Attendez. Je vais aller lui remplir. Là, on est allé dehors et il était... Depuis qu'on était rentré de Normandie... il a repéré le jouet. Quand on était rentré de Normandie, je pouvais plus le lâcher dans la résidence. C'était plus possible. Il a coincé un petit enfant, la honte. Et puis sauvé, il n'écoutait plus rien. Je sais pas, de passer de la Normandie à ici, la transition n'a pas été terrible. Et donc, habituellement, c'est notre petit moment tranquille dans la résidence. Je lâche un peu, parce que le midi, il sort pas très. Donc, je lâche un peu dans la résidence. Mais là, depuis qu'on était rentré en septembre de la Normandie, pas besoin de le lâcher. Et donc, là, ça fait quelques jours, j'essaye de le lâcher. Et ça va, de nouveau ça va, je peux lâcher et c'est super bien pour lui parce que, je sais pas si vous avez vu, il court super vite, il se défoule. Donc là, comme il a été super sage, j'allais lui mettre des friandises là-dedans. Donc c'est une balle comme ça. Dedans, vous mettez les friandises et vous avez des petits trucs comme ça, trop mini, petits écureuils. Je sais pas si c'est des écureuils que vous coincez dans les habitacles. Oui, c'est un teckel, hein. Les teckels, ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de faire des jeux intelligents, ils ont besoin de renifler. Et donc je lui mets ça, sa petite friandise, et je lui laisse la balle. Et il adore. C'est tellement mimi. Bon, je vais continuer à ranger mon atelier. Oui, c'est encore moi. Il y a quelques temps, j'ai retrouvé, toujours dans mon rangement, une boîte de boucles d'oreilles. Il y a quelques années, quand j'étais maîtresse, j'étais vraiment plus coquette que maintenant. Et j'ai retrouvé donc toute une boîte de boucles d'oreilles et je m'étais dit, tiens, pendant Vlogtober, tu vas changer de boucle d'oreille tous les jours. Et avec toutes ces boucles d'oreilles que tu as retrouvées. Je crois que celle-là n'en fera pas partie. Je sais pas ce que vous en faites. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elles sont gigantesques. Je me souviens pas avoir acheté ces boucles d'oreilles. Je sais que ma soeur m'avait donné des paires de boucles d'oreilles. C'est peut-être...
C'est peut-être elle. Bon. On va en chercher d'autres. Tadam! Et de un côté, danse de la joie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, il reste quelques petites choses. Je vais vous prendre derrière, parce que sinon... Et je vais tourner le micro pour que vous m'entendiez mieux. Voilà, j'ai mis le micro face à moi. Ce sera essentiellement un coin de déco. Et si je refais des patrons ou si je vends des poupées, etc., etc., ce sera... je vais vous décrocher, c'est pas pratique. Oui, excusez-moi, j'ai été chercher les lunettes. Ce sera donc un coin déco. Et puis là, je voudrais faire une étagère pour mettre du matériel. Et donc, j'en ai encore une pour aller là, que mon mari doit me mettre. Mais ça va aller sur le mur, ça va aller sur l'étagère avec d'autres choses. Mais voilà, ça a bien avancé. Vous voyez, c'est l'endroit où il y a mon... j'ai pas de recul pour vous le montrer mieux. C'est l'endroit où il y a mon clavier, maintenant il est monté sur des pieds. Et il fait un peu plus... Oh là là, je suis tout près du micro. Vous voyez, c'est l'endroit où il y a mon clavier. Donc là, il y a un sac de tissu qu'il faut que je trie. Vous voyez, mon mari me l'a mis sur pied. Il fait un peu plus piano maintenant. Voilà, on va dire. Que dire d'autre? Je vous le montrerai mieux quand j'aurai fait la poussière et le ménage. Que je ne vais pas faire aujourd'hui. Je vous reprends face caméra. Oui, que je ne vais pas faire aujourd'hui. J'ai appris à ménager. Avant, j'aurais eu tendance à faire tout en même temps. Maintenant, je ne sais pas si c'est la vieillesse ou quoi. Je n'y arrive pas. Donc après, on va aller s'occuper du petit lapin. Oui, ça va vraiment vite, hein, cette histoire de sac. J'ai tout attrapé, tout ce que je ne sais pas où ça va. Peut-être que je donnerai des choses. J'ai tout attrapé, tout, et j'ai mis dans un sac. Que je vais mettre sous le lit, tiens. Sous le petit lit qu'il y a là. Bon, allez. On y retourne. Non, me revois loup. J'avais mis ça pour vous en parler. Quand je suis allée chez Action l'autre jour dans le Vlogstober Zero, j'avais acheté ça. Et quelqu'un m'a dit qu'il y en avait. Donc je réponds à cette personne parce que je n'ai pas encore répondu aux commentaires. Mais naturellement que j'en avais acheté. J'ai pris l'allongée parce que... Je ne sais pas si vous avez suivi les booktubers, je vous montrerai tout à l'heure. J'en avais déjà une debout. J'ai peur que ce vlog soit trop long. Parce que le principe de vlogtuber, c'est quand même de faire des vlogs courts. Si vous faites une heure par jour, les gens vont se lever. Enfin, les gens n'ont pas le temps de regarder des vlogs de une heure tous les jours. Je vais être encore obligée de me couper au montage. Allez, j'y retourne. Vous voyez comme je suis motivée. Je trouve tous les prétextes pour vous parler.
Et deux. Parti. Et l'autre partie. Je vais vous reculer. Je vous montrerai mieux plus tard, naturellement. Alors, c'est une maison que j'ai chinée cet été. Et pour l'instant, j'y ai mis tout ce qui peut servir. Non, pas là. Le pire, c'est que c'est écrit là. Petite broderie abécédaire. C'était un abécédaire que j'avais commencé tout simple en broderie. Mais tout simple parce que c'était pour les poupées. Et que je n'ai pas continué. J'ai fait jusqu'au D. J'ai fait le P, le poisson. Carotte. Et j'avais fait aussi le chat. Voilà. Des dinosaures. C, carotte. B, bateau. Et A, arbre. Je ne l'ai pas continué. Mais je continuerai. C'est à mon niveau. Hein. Broderie à mon niveau. Dessin à mon niveau. Il y a aussi les broderies que j'avais commencé pour mon quilt à Hugo. Voilà. Celle que je vous ai déjà montrée. Petite souris. Et les autres, je ne les ai toujours pas faites pour que je les fasse. Et je ne vous les montrerai pas. Parce que je suis une vilaine. Il y a tout le nécessaire. Pour décorer les agendas, les cahiers, plein de choses. Mais je vous montrerai tout ça plus tard. J'ai changé d'organisation. Jusqu'à maintenant, j'avais un happy planner. Oh ben oui. Ça m'a la tête coupée. Hop là. Jusqu'à maintenant, j'avais un happy planner. L'année dernière, je suis passée à un happy planner, mais beaucoup moins cher. Mais ça ne me correspond pas parce que je ne l'utilise pas tous les jours, finalement. Je ne fais pas de prévision à l'avance. Enfin, jour par jour. Je vais plutôt me dire, ce mois-ci, j'aimerais faire ça. Et après, je ne sais pas si elles sont là. Oui, encore un problème de carte. Je ne sais plus où j'en étais. Je couperai et je vous expliquerai ça, tout ça un autre jour. Sur ma nouvelle organisation. J'ai acheté ce bullet journal chez Sostrengren et je vous en parlerai plus tard. Donc, la déco scrapbooking, on va dire. Ensuite, même chose, c'est toujours la même chose. Il y a un peu de tout. Il y a même de la couture que je ne savais pas où mettre. Des choses que j'avais besoin pour, parce que à un moment je faisais pas mal de petits sacs, de trousses, tout ça, que je ne fais plus. Et donc je me retrouve avec plein de choses comme ça qui traînent, que je ne sais pas quoi en faire. Et bien, je vous avoue, ça, ces petites choses de chez Ikea, ils sont à 20 euros, je crois, si ça n'a pas augmenté. Que j'ai customisé avec des poignées que j'ai eues chez Amazon. Que c'est mon mari qui les a mis parce que moi j'y arrivais pas. Et vous voyez, il m'en manque encore, il faut que j'en rajoute. Quand je fais des commandes chez des créatrices, et pas de créateurs, et des créatrices,
et qu'elle glisse des petites choses, je les rajoute là. Et il m'en manque, j'en ai encore à ajouter. Et du coup, eh bien, ça me fait une jolie déco. Parce qu'au début, je m'étais dit, elle est un peu, voilà, elle est un peu tristoune, hein, cette, ce petit meuble, il est un peu tristoune. Mais je ne sais pas en quoi le peindre, quelle couleur le peindre. Et voilà, donc j'y ai mis, hop, le bruit, j'y ai mis, par exemple, là, c'est les infusettes, le bout de guibot, là, Rosalie et Suzanne, là, c'est l'Anna Songe. Et je trouve ça tellement décoratif et ça me fait des petits souvenirs, voilà. Alice in Wonderland, parce qu'Alice, que j'ai eu chez Primark. Petit écureuil de chez Action. Me, Myself and I. Non, dedans. Voilà ce que j'avais mis dessus. Dedans. Je vous l'avais montré, il y a toutes les barrettes, broches, enfin, support de barrettes, broches. J'aimerais trop continuer. Bon, je vous détaillerai plus tard. Là, il y a les masking tape et je ne sais pas où les ranger. J'ai pas des masses de place. Il va falloir que je leur trouve une place parce que je trouve pas que ça se fasse très joli. Ça cache mes toutes mes affaires, là. On termine la visite de ce côté. Pardon, je ne sais pas si vous les voyez. Je vais vous descendre. Ah, c'est belle maison! Celle-là que j'avais eue chez Primark et donc celle que j'ai eue chez Action. Là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis mon English Paper Piecing que je dois absolument terminer parce que vous, vous les entendez pas, mais moi, je les entends. Mais mes poupées râlent depuis des mois et des mois. Mais Stéphanie, on a froid, on a plus de couverture. Je sais combien de couvertures à terminer pour ces empachoirs, pour ces poupées. Et là, je l'ai mis là, hein, en me disant, au moins, s'il est là, j'aurais envie de le terminer. Bon, je ferai un tour plus tard. Et ah oui, j'avais acheté ça aussi chez Action, en même temps que la petite maison. Alors, je sais jamais, un hibou chouette, je dirais chouette, mais ça me faisait tellement penser à Harry Potter que je l'ai prise. Alors, c'est au rayon Noël que je l'ai prise, mais je ne sais pas, moi ça faisait vraiment Harry Potter. Mes petites broches que j'ai fait pendant Vlogtember. Et mes poupées Marie, hop, voilà. Et en haut, il y a encore du matériel. Partout, partout, partout. Vous voyez ces cagettes roses là, hop. Ce sont les poupées que j'ai crochetées, cousues, qui ne sont pas de moi. Et que je ne sais pas où ranger. Et là, il y a un mur à la limite. Peut-être là. Mais il faudrait que je trouve un meuble. Ça viendra un jour, hein, je trouverai peut-être une solution. Bon, je termine par ce coin. Et je pense que je vous ai tellement parlé aujourd'hui que c'est pas la peine que je vous reprenne après. Non, je termine pour ce coin et je vais un peu travailler quand même. Je crois que je vais rester là. Avec des Vlogtober. Vigny et sage, donc autant en profiter. Et je vais commencer à faire les petits lapins. Je termine là et je vous montre. Voilà. Terminé. C'est le dernier coin que j'ai
que j'ai fait, que je vous ai montré pendant le lockdown. Alors, le gros problème, c'est que c'est pas un sac que je vais devoir ranger, c'est plusieurs sacs. Mais c'est bien, ça m'a permis de voir tout ce qui reste à ranger. Et parfois, je réfléchis. Je réfléchis. Et je réfléchis après coup et je sais comment m'organiser. Après, il y a des choses complètement inutiles que je vais peut-être donner. Il faut arrêter de tout garder. Des choses que je garde depuis des années. Alors, là, je ne sais pas si vous voyez. Il y a un panier qui est fort mignon, dans lequel j'avais mis mes petits animaux. Mais ils sont pliés, ils rentrent pas dedans. Il va falloir que je trouve autre chose. Vous savez, c'est les genres de petits paniers de pique-nique. Oui, je suis obligée de tout mettre en hauteur parce que sinon, sinon Vinny attrape tout. Mais là, ce panier, il va falloir que j'y mette autre chose. Et mes poupées, que j'y mette autre part. J'étais en train d'habiller ma poupée Anne. Qui était un peu déshabillée. Elle est en hauteur. Avec sa copine. J'avais fait une robe à ma poupée Anne. Et j'avais fait la même en noir. Et donc j'avais fait une robe en madras que j'avais achetée en Guadeloupe. Sauf que bon, le madras, vous pouvez le trouver partout. Hein. Mais bon, celui-ci, il vient vraiment de Guadeloupe. Et j'avais mis des petites choses que j'avais achetées aussi à une amie de ma belle-mère qui avait une boutique en Guadeloupe. Vous savez, tout à 1 euro. Je vous laisse, mon mari arrive. Bah, tu dis ce que tu veux, mais je filme en tout cas. Bon, apparemment, il faut que j'ouvre ce paquet devant la caméra. Je ne sais pas ce que c'est. Un cadeau pour Blocktober. Ah ouais? Parce que t'as été sérieuse. Oh, c'est trop beau! Et non, je ne peux pas ouvrir ça. Oh putain. Ah, oh, c'est une crue. Non, on ne pleurera pas. C'est la même que celle que j'ai déjà. Ah, tu l'as déjà? Non, non, moi j'ai un renard, mais la même marque. Ah oui, sûrement, oui. Oh, merci. tout est ouvert. Bon, bah, happy October. Vous voyez? J'avais déjà le renard. Et en fait, mon mari ne se rappelait pas que j'avais déjà le renard. Il a failli acheter le renard. Et du coup, j'ai changé toute la déco. Pour pouvoir les mettre là. Oh, j'adore. Bon, habituellement, j'aurais pleuré comme une madeleine, mais là, comme j'étais devant la caméra et que j'étais stressée. Oh, c'est trop beau. La mascotte de Blocktober. Ah, on adore. Bon, je crois que je vais vous laisser là. Je pense que j'ai beaucoup parlé déjà. J'ai dit à mon mari, ça sera parfait avec le nouveau canapé. On doit acheter un canapé cosy. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je l'ai dit sur Instagram. On doit acheter le Hectop. Ikea, ça sera parfait. J'ai pris la règle
le stylo pour les mesurer, faire les gabarits des mains et des jambes. Et puis je me suis rappelé, vous voyez, j'ai cette chemise, oh, l'étiquette est tombée, c'est des anciens patrons, peut-être qu'avec avec un peu de chance, ils sont dedans. Voilà, je vous laisse, si jamais je casse, je filmerai. Et je vous dis à demain. J'ai vu que je commençais à avoir beaucoup de commentaires. Je vous remercie énormément. Je vous embrasse. Et je vais essayer de me dégager un petit peu de temps pour commencer à répondre aux commentaires. A plus tard.